Donc voilà, GG à lui en vrai. Donc c'est... What the fuck, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Yo tout le monde, c'est Stardew, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, encore une fois, sur les éleveurs français que vous kiffez à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par de l'ensilage avec Gfit, faut qu'on termine de faire de l'ensilage chez Gfit. Nouvelle vidéo, on est parti, juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Zero, de Borom et de Gfit, salut. Salut à toi, salut à tous. Comment vous allez? Eh ben écoute, très bien. Ouais, toi. Et t'as vu, très bien. Mais écoutez, du coup, on est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on commence avec de l'ensilage chez vous, c'est ça? Faut qu'on vienne vous aider? C'est ça, ouais, pour finir un petit peu l'ensilage, ouais. Pour ok, on va vous aider. Coup de main, ce serait cool. T'inquiète, on a deux bennes, donc ça va aller plus vite. Ok, bah du coup, c'est parti, direction CG Fit. Allez, donc les amis, on est parti. Je suis donc avec Borom. Salut Borom. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va, ça va. Eh ben très bien, très bien. Bon, bah, du coup, on est parti. Tu veux prendre le massé? Donc, on va aller du coup aider Gfit au balancilage. Donc, du coup, le massé, il y a du colza. Donc, c'était le champ d'à côté qu'on avait récolté. Donc, le champ a été récolté. Bah, du coup, tu peux aller vendre le colza. Et après, tu vas chez Gfit, c'est ça? Bah ouais. Et ben c'est parti. Moi, ce que j'ai fait, les gars, c'est que du coup, alors déjà, ceux qui n'ont pas suivi le live de mercredi, on a fait tellement de choses. Le silo d'ensilage qui est juste à côté a été rempli tellement. Il a été recouvert. Je crois qu'il est fermenté. Ah, bah nickel, il est à 5%. Bah, je le découvre du coup. Je découvre le silo, comme ça on pourra faire de la race mélangée. Bah en vrai ouais, on a passé une nuit, il est déjà bon. Bon les vaches sont au minimum, mais les vaches on les renourrira dès qu'on pourra, dès que l'ensilage sera terminé. Ce qu'on va faire, c'est que je prends le JD et on va attaquer avec, bah moi du coup j'ai l'autochargeuse, donc je vais aller chez Gfit avec l'autochargeuse. Ça sera plus rapide, donc voilà. J'ai enfin les amis mis les chevaux sur le serveur, donc logiquement à la fin de cette vidéo on aura les chevaux. Logiquement ça devrait le faire. Par contre t'as une idée où c'est qu'on pourrait les placer? Parce que je sais pas trop c'est qu'on pourrait les mettre. C'est une bonne question. Parce que j'avoue que. Sinon, dans le pré à vache, moi j'avais pensé peut-être le pré à vache, ouais. Je sais pas. On va essayer de voir. Le pré à vache, comme ça on va acheter un petit cheval. Alors, vous me direz en commentaire comment on l'appellera. Hein. Moi j'ai pas d'idée, faut vraiment que vous trouviez une idée. Je sais pas. Parce que vous direz en commentaire, on le mettra en live le nom du cheval. Donc comme ça sera nickel. Allez go, direction chez Gfit. Parce que du coup, Gfit nous a. Enfin, dans le live de mercredi, Gfit nous a pas mal aidé en vrai. Belle appel, après le silo en 1h30 il a été rempli pratiquement. Donc on a quand même pas mal fait de champs. Avec la magnifique ancien. Oh yes, l'argent. L'argent monte. Oui. Tu l'as vendu où? Il y a la coopérative à côté là. Ouais, la coop. Ouais, c'est celle-là qui est à côté là. Ouais. Bah, du coup, encore une fois, merci beaucoup parce que je vous fais des lives assez souvent en ce moment. Des vidéos, j'essaie d'en faire aussi. Les vidéos, c'est tous les samedis. Encore une fois, d'être très nombreux à kiffer à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Ce champ à côté a été remis en colza complètement. Donc, en vrai, on a quand même fait pas mal de récoltes. Avec le point au milieu. Vraiment, faudra que j'aille le labourer ce point au milieu parce que il y a un point vert dans le champ. On sait pas où c'est que ça donne. Et ici, il y a de l'arubané à récupérer, je crois aussi. Ouais, on a encore des arubanés dans les deux champs, je pense. L'arubané à récupérer. Je pense pas que t'as des tours ramassés. Non, j'en vois. Il y a de l'arubané à côté, on ira la récupérer. Et logiquement, je crois que l'ancileuse. Non, l'ancileuse c'est dans le champ, mais du coup, on s'est acheté l'ancileuse, c'est la 970, je crois, ou je sais plus trop quel que c'est. C'est celle de la classe qu'on s'est acheté. Enfin, qu'on s'est acheté. Non, on l'a pas acheté. À la femme secours, on l'a pris et on l'a utilisé en live. Parce que bon, on s'est dit, voilà, on va essayer de faire un truc plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on fait des vidéos en live, mais chacun est de son côté. Et là, ça changeait un petit peu, on était un petit peu ensemble, donc c'était cool. Donc voilà. Alors, ils sont prêts ou pas? Ils sont où? Parce que là, on arrive, mais. Je sais pas, on va aller voir. Vas-y, je te suis chauffeur. Logiquement, il faut retourner. Ouais, nickel, je te suis. Aïe! Du coup, on s'était acheté une benne au passage. On s'était acheté la Lebouche. Parce que donc la Mopu, on l'a toujours au concessionnaire. Mais du coup, on s'est acheté la Lebouche avec, avec les ridelles. Parce que la benne n'était pas grande, donc on s'est acheté celle-là. Donc voilà. Oula! Ah! Oh non! Je passe pas, il y a la buse. Attends, pire, on va ouvrir. Ah non, mais comment je fais pour passer? Je peux même pas rentrer chez eux, mec. Tu peux pas rentrer? Je peux pas rentrer! En fait, j'ai leur CU Lagrin qui tape. Attends, mais pire, lui, il va dégager. Hop. Attends, t'inquiète pas, je gère. Mais puisqu'il y a une collision. Attendez, on va essayer de passer. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à passer. Alors, ils sont où? Il y a Gfit qui est là-bas. Gfit, il est au silo, je crois qu'il est en train de tasser. Donc on s'est aussi acheté du coup des trucs pour tasser hein. Pour tasser le silo. Donc ça c'est pareil, c'est en cumin, donc j'ai vite la récupérer. Moi je trouve que le mien est déjà tassé. Donc voilà. Et Zero qui est en sileuse, magnifique. Allez, nickel. Je crois en plus qu'il y avait pas mal de rendement. Donc en vrai voilà, ça change un petit peu, c'est cool de faire ça. Il y a du rendement ou pas? Bah ouais quand même, je suis déjà à 35%. Ah ouais. Mais je sais pas si ma chute maker elle est plus grosse que toi. Enfin elle est grosse ou pas ma truc. Je sais pas du tout. Bon. Voilà du coup. Du coup je voulais vous parler de pas mal de choses hein. Actuellement je suis en train de faire. Bravo Zero, t'as des oublis. Je suis en train de faire pas mal d'heures, tu vois. Je fais des lives. D'ailleurs justement je tourne cette vidéo juste après mon live de Planet Coaster. En ce moment je me suis mis à Planet Coaster. C'est un jeu de création de parc d'attractions et c'est trop stylé.
En vrai, ça s'est décidé parce que j'ai live mardi ou mercredi, comme ça, et j'ai décidé que j'allais faire en live sur ça, et voilà. Du coup, ça s'est fait. Attends, bah, du coup, le temps que tu me dis dès que t'es plein, comme ça, dès que t'es plein, je vais revenir, je reviens. 80% là. Bah, dès que c'est bon, tu me dis, je vais aller prendre le petit Fent, et aïe, je vais prendre le Fent, et je vais donner surtout de l'eau à mes animaux, parce que les animaux n'ont pas d'eau. Et il faudra aussi qu'on ait récupéré les bottes enrubanées aussi, c'est vrai que c'est pas bête ça. Les bottes enrubanées, en égo. Alors l'eau, allez où l'eau? On va essayer de l'eau, on l'a mis où? Je sais même plus ce qu'on a mis tout ça. On commence à avoir quand même pas mal de choses dans la farm les amis, c'est pas mal. Alors ce que je voulais faire aussi c'est que je pense que c'est une bonne idée de s'acheter une cuve à lisier mais en commun. Tu sais avec le gros pendillard là, c'est trop stylé. C'est lequel que je voulais prendre? Cuve à lisier, c'était la gentille, tu vois laquelle c'est ou pas? Elle est rouge. Ah oui, bah oui, oui. Celle que j'ai mis en miniature, en vrai elle est trop belle. Donc après elle vaut 93 000 euros donc ça commence à faire. Plein, hein. Ok j'arrive. Elle commence à faire mais après je veux dire franchement si on s'achète à deux on peut se la prendre pour je crois que ça fait 140 000 euros donc à deux à tout seul ça fait 80 000 si je me trompe pas. Donc ça fait 80 000 euros chacun. En vrai c'est pas trop. Attends je vais mettre l'ouvrier. Je vais te montrer. Attends, en fait il y a plusieurs enfouisseurs. Il y a les enfouisseurs le court ou un gros. Le court il vaut 30 000 et le gros bah qui fait, ça fait 140 000 euros si on prend le gros. Mais du coup je sais pas. Vous me direz en commentaire lequel vous voulez qu'on prenne. Au pire j'en parlerai à Gipit après. Ce serait lequel? C'est dans cuve à lisier. Donc ça c'est la cuve comme ça, elle a rien, il faut mettre les enfouisseurs. Donc il y a celle-là qui vaut 53 000 euros, mais ça ferait du 36 mètres les gars. 36 mètres c'est énorme hein. Enfin en vrai ça nous ferait tellement gagner de temps parce qu'on commence à avoir des parcelles assez grandes. Donc soit 36 mètres, soit on prend celle de... Bah il est où la petite? Ah bon on l'a pas. Bah ok, bah il y a pas. Bah du coup c'est 36 mètres ou rien. Voilà. Donc je pense qu'on prendra celle-là, ça fera 50 000 euros. Mais en vrai 36 mètres ça nous ferait faire pas. Ah bah Gifit il me colle derrière. Bravo Gifit. Il me colle. Non en vrai c'est vrai, il y a du rendement. Mais en vrai du coup ils nous ont aidé donc c'est pour ça qu'on les aide un petit peu. Ça fera du bien. Aïe. Et d'ailleurs dans l'enrubané que t'avais fait, il y en avait beaucoup pas d'enrubané? Ah oui, oui, oui. Mais est-ce que l'enrubané Ouais vas-y. Bah je pense on a pas. T'as pas tout ramassé je pense dans le champ. 13, dans le plus grand. Dans le plus gros? Ouais, il me semble que t'avais pas tout ramassé dans le live, il y avait déjà un plateau plein. Du coup, bah, il y avait quand même un peu de rendement. Bah, ce qu'il faut. Ah, bah, d'accord. Bah, au pire, il faudra les ramener. Parce que là, l'ancien ça va être rapide. Hein. On fait juste une benne ou deux et après, on ira faire le reste d'un côté. Je vais vider ma benne et après, je fais autre chose. Hein, comme ça, pour changer un peu de contenu. Ah, GPT, il est trop près. GPT, il me capte. Voilà. Vas-y. Bah, je vais pas tarder à être plein, je suis déjà à 75%. Et ça va vite. Hein. Mais après, eux, je crois que leur champ est à 100% aussi. Donc, bon. Logique. Hop, on va reprendre ça. En tout cas, vous avez pas mal kiffé en live. Franchement, le live de mercredi, vous avez été tellement nombreux. C'était tellement bien. Et voilà, merci à vous. On a dépassé. Je crois qu'on est presque aux 200 subs, ce qui est juste fou. Ah, ils échangent. Allez, ma toile plein moi. Je vais aller vider. Je vais vider dans le stylo. Et après, j'irai donner un petit peu d'eau à mes animaux. Et je m'étais noté qu'il faut que je ramasse un rubané. Bah alors, acheter les pendeurs, je pense que ça va être compliqué de faire maintenant. Parce que niveau argent, pour l'instant, on a de l'argent. On est content. Elle est 95%, 96%. 7. Bon, c'est vrai, bon, allez, super. Allez, Zero qui reprend le relais. Bah, du coup, je reviens à la fin après, hein. D'accord. Moi, je fais celle-là et puis j'irai aussi. Ouais, tu fais celle-là, ça suffira et après, de leur côté, ils finiront. Donc voilà, ah, Zero qui bug, magnifique. Ah, elle a invité ça dans leur magnifique ferme. En vrai, leur ferme commence à être pas mal aussi, hein. Mais non, faut acheter le cheval. On le fait direct. Le cheval, on met l'enclos, ouais. Le cheval direct. Vas-y, on va faire ça alors. Par contre, on passe par où? Tac, on passe par là. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Ah, bah, dingue, il a laissé ça en plein milieu. Comment on fait là? Parce que du coup il y a deux silos mais on le vide dans lequel? T'as vidé dans lequel toi? J'ai vidé dans le grand celui où il n'y a pas le tracteur dedans. Ouais, ok, bon, je vais vider pareil. Leur petit tracteur là. Allez. Leur pauvre silo. Non, on a un seul gros silo, ils en auront deux. Après c'est pas plus mal non plus mais bon. Après la femme elle est différente. En vrai ça passe bien leurs deux silos. Nous on a un seul gros. C'est vrai qu'on aurait pu avoir deux pareils comme eux. Ça aurait pu être stylé aussi. Oh le gros tas. Attends mais ils ont combien dans le silo là? Ils ont 100, mais presque 200 000 dans le silo, c'est ouf. Nous on avait combien? On avait 400 000 je crois. Nous on avait fait 400 000 dans le silage. Hein. Ça commence à faire ce qu'on a fait. 400 000 c'est fou, même plus. Hein. Donc ce qu'on va faire c'est que je reviens à la ferme, j'achète ça. Alors qu'est-ce qu'il faut acheter pour les chevaux là, actuellement là? On a tout ce qu'il faut en fait. On a de la paille, on doit avoir du foin. De l'avoine. De l'avoine c'est bon, il y en a en stock. J'en ai stocké, donc c'est bon, on a de l'avoine en stock. Ouais, bah c'est bon. Bah ouais, fais ta benne et après tu viendras. Je pense qu'il faudra que tu m'aides à. Au père, tu m'aideras à faire des rations mélangées. Vu qu'il faudra aller chercher dans le silage, du coup. Avec les mélangeuses et tout. Donc on fera ça. Donc voilà, du coup, on va passer devant le concessionnaire. Vous allez voir, il y a la Mopu d'Eaton. D'ailleurs, est-ce qu'on la vend cette benne? Je sais pas du tout. Hein, si on la vend. Parce que. Enfin, on a la grosse shootmaker. Tu la vendrais ou pas?
Bah, je sais pas, on avait dit qu'elle allait servir peut-être pour les chevaux, mais au final, au final, au godet. Ah ouais, mais attends, attends, mais du coup, non, je vais laisser alors. Ah bah oui, sinon, comment je donne à manger à mes chevaux. Bon, je vais laisser du coup la benne, enfin, l'autochargeuse au concessionnaire et je prends la mopu, comme ça, si j'ai temps, je vais penser pour mes chevaux, comment je donne de la bonne à mes chevaux. Si j'ai pas la benne. Alors attends, je vais aller sur le côté là. On va reprendre la petite mopu. Ouais, en vrai, si, vaut mieux qu'on la garde. Après, là, le bouche, ça fait quand même gros quoi, une grosse le bouche pour aller donner à manger aux chevaux. Mais ouais, on essaiera d'avoir. Allez hop. Et d'ailleurs, je pense que ça serait bien de faire des moutons. Je sais que Jiffy devait en faire. Jiffy, il a comme projet de faire des moutons. Donc je sais pas si on en ferait. Ça serait bien d'en faire. Ah, ça rapportera, ouais. Ça rapportera de la thune, hein, parce que. Ah oui. Donc, bah vous me direz en live ou quoi. Parce que là, actuel. Wow, c'est vrai que avec cette benne, tu fais du dos. Parce que là, on commence à avoir des champs pas mal. Jiffy, il a quand même plus de parcelles que nous. Bah déjà, il a la grosse à côté de nous, là. La grosse, celle-là. C'est la plus grosse que. Ouais, elle est pas mal. Après, j'avoue, moi je voulais compter acheter celle qui était à côté. Donc la grosse. Ah ouais, mais celle elle est tellement stylée, elle est vachement grande. Je pense. Je sais pas, regarde s'il y a des parcelles que t'aimerais bien qu'on achète, Borum. Des trucs. Ouais, franchement, ouais. Attends, des grosses. Je suis en train d'en filer, je regarderai juste après. Ouais, parce que là on commence à avoir des parcelles. Une grosse moissonneuse, une grosse benne, donc je pense que ça peut être bien. Ma benne est faite de rouge. Ouais. Donc ouais, on va essayer de voir ça. Alors maintenant, du fumier, on a plus de fumier. Alors les vaches n'ont plus à bouffer, donc c'est pour ça qu'il faut donner à manger aux vaches. Donc là, ce qu'on va faire, on va rester sur le côté, on va commencer à acheter l'enclos à cheval. Chevaux, enfin ouais, cheval, puisqu'il n'y en aura qu'un. Donc voilà. Alors, c'est celui-là, donc 8000 euros, vous n'êtes pas autorisé. Nickel, on va juste se mettre en gérant de ferme. Non, non. Attends, je t'ai enlevé des gérants de ferme. Voilà, c'est bon. Enclos, alors, on va dire, vous me direz en commentaire comment on l'appelle. Hein. Vous me direz vraiment comment on l'appelle. On va le mettre où, le cheval? Est-ce qu'on ne mettrait pas sur le côté, là? Bah voilà. Alors, attendez, plutôt dans l'autre sens, alors. Comme ça. Alors le problème c'est qu'il y aura des vaches dans l'enclos à cheval, à chevaux, mais bon, c'est pas bien grave, hein. C'est pas grave au pire. Allez, clac, c'est placé. Voilà, magnifique, je suis très heureux. On va juste faire une petite roue, tu viendras voir mon beau truc. Ouais. Alors attends, on va juste mettre du coup une petite texture, non, texture de, non, pas de la boue, j'y étais, ouais. Non. Ah, j'arrive pas à trouver la bonne texture. Voilà. Ouais, je vais juste voir où ils veulent que j'aille vider. Ouais, ouais, vas-y. Est-ce qu'on mettrait pas. On met, les gars, on va mettre des arbres. Hein. Je sais pas pourquoi, mais depuis la décoration en ce moment, c'est le truc que j'aime le plus faire, quoi. Je décore comme jamais. Un petit, peut-être. Des petits arbres. Tac, tac, tac. Quoique, ça prend. Ouais, quoique, c'est cher, en fait. Et un dernier là. Voilà. Donc là, on a mis des petits arbres, les amis. Je vais donc chercher mon avoine dans le silo. Il nous reste encore 110 000 euros. En vrai, ça va, 110 000 euros, il nous reste pas mal. Avec, en plus, l'enrubané, on le vend, du coup. Donc là, ah oui. Oh non. Oh non, je me suis retourné. Ouais, Borum, du coup, l'enrubané, on le vend. Bah, vu qu'on a de l'ensilage, oui. C'est parce que tu veux qu'on en garde pour... Bah, après, l'ensilage, on a quand même vachement de stock. Ouais, c'est vrai que l'ensilage, on a beaucoup de stock, mais le temps qu'on le vide, il y aura le temps. Donc, on va les vendre ça, alors. On va les vendre tout ça. Hop. T'as fini, du coup, t'arrives? Je vide, là. On remplit où par contre? Elle est où la fosse? Attends, parce que j'ai vidé, mais on remplit où après? Ah non, attends, c'est où qu'on remplit? Bah attends, mec, c'est où qu'on remplit la suie à grain? Bah la suie à grain, j'ai vidé dedans, mais comment on récupère ce qu'il y a dedans? Ah bah ça, c'est une bonne question ça. Attends, comment on fait? Oh non, attends, mais y'a pas de. C'est pas ça dessus là? Attends, y'a pas un trigger? Il doit y avoir un trigger quelque part. Ah oui, c'est là, ok, c'est bon, c'est là, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc attends, on va aller à côté. Mais attends, mais c'est bizarre, c'est même pas une vis qu'il y a. Comment tu peux... Attends, mais comment tu veux savoir? Il n'y a même pas écrit, il n'y a pas de trigger, il n'y a pas de zone vraiment. C'est impossible à savoir. Ah, c'est comment alors? C'est Bah c'est juste un tuyau, mais... Attends, ouais, c'est ça, ouais. Il y a juste un tuyau. Avoine, allez, 11 000 d'avoine, c'est parti. Bon, 11 000, attends, 4 700 ça suffira. Parce que 11 000, les pauvres chevaux, leur enclos va être recouvert par de l'avoine. Donc ouais, mais ça. Donc attends, je vais regarder les champs qu'on pourrait s'acheter aussi. On va essayer de voir ça. Donc je regarde aussi si la lève ne dure pas trop longtemps. Alors on va rentrer par ici. Bah quand, dès que t'as fini, tu pourras... Ah mais mec, c'est pas possible. C'est vrai que cette benne, en fait, elle est bien parce qu'elle est petite. Mais mec, déjà c'est des roues d'avion déjà de base. Mais je vais quand même retourner. Non mais c'est vrai, c'est des roues d'avion, mec, c'est énorme. Alors, on arrive. Les petites babaches. Attention, j'arrive. Les pauvres vaches, elles bougent pas grand chose. Hein. Donc là, doucement, doucement, Starvio, doucement, doucement. C'est impossible d'avoir une benne comme ça. Alors, mon enclos à cheval, il y a une vache, c'est normal ça? Et une vache noire. Ouais, bon, bah écoutez, elle va rester là. Juste. Vache, mon enclos à cheval. Bah oui, parce que du coup, si les tu verras. En vrai, il est pas si mal placé, donc ça.
Donc, on va acheter un cheval, un truc, une couleur qu'on prend pas souvent. Bah, blanc, hein. On va le prendre blanc. Ouais, 5000 euros, c'est parti. Donc, on va reculer. On va remplir ça. On va l'écraser aussi au passage. Donc, ça, il faudra le faire courir aussi en live. Mec, dans toutes mes séries, j'ai des chevaux. C'est ouf ça. Paysan français, c'est des chevaux. Éleveur français aussi, partout. Et trois femmes aussi. Mais voilà, c'est bon. Mes chevaux, du coup, ont mangé. Il manque de l'eau et de la paille. Ok. Au pire, je te laisse t'occuper de la paille ou de l'eau. Comme ça, t'auras qu'à faire quelque chose. Je vais peut-être mettre. Ouais. Oh, attends, la benne, mec, c'est pas possible d'avoir une benne qui se tourne comme ça. Ah, bah nickel. J'ai la tonne à eau, là, je vais prendre de l'eau. Ouais, tu prends de l'eau, bah, je vais donner la paille alors. La benne, tu l'as mis où? C'est là, sur ta gauche. Hein. Ah, ouais, ok. Attends, bah, je vais laisser la mienne sur le bord. Hein. On va la ranger là pour l'instant, vu qu'on aura des chevaux plus tard. T'as vu où c'est qu'il est? Sympa. T'as eu ça où? Tuc, tuc, tuc. Alors, attendez. Parce que du coup, quel champ on pourrait s'acheter? Pour l'instant, on sait pas. Mais vous me direz en commentaire lequel vous voudrez. On a 110 000 euros, on a encore beaucoup d'arubanes à vendre. Mais il y a aussi la cuve Alizia aussi à acheter. Donc, voilà, il faut faire gaffe aussi. Mais un gros champ, j'avoue que. Oh, le 123, il est gros. Hein. Soit le 123, soit le 59. Attends, j'ai monté en l'air pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme vidéo. Quel gros champ. Ça, c'est gros quand même. Ça, c'est gros. Lui, il est un peu vallonné. Lui, il serait pas mal, lui. Hein. En plus, tu pourrais même mettre des. Mais ouais, en plus, ça ferait bien parce qu'on pourrait mettre des moutons dans ce champ. Tu mets une partie en herbe, donc tu fais partie bâtiment et partie. Pas bête, ouais. Pas bête du tout, les gars. Bon, ben, vous me direz en commentaire lequel on prend. Mais d'ailleurs, tu regardes Borom, le 59, il me plaît bien. Le 59. Il coûte combien? Il coûte. En plus, 40 000 euros pour ce gros champ, c'est pas cher. Hein. Franchement, cette map, les prix sont pas beaucoup. C'est pas cher du tout, cette map. Donc, t'as mieux. Merci, ouais, je suis où là? Il pourrait être pas mal, ouais. Ouais, il est gros. En live, mec, tu te fais une bonne récolte. Voilà, alors on va décrocher ça, il faut que je récupère ma fourche, la fourche qui est là. On va prendre une... Attends, on a la fourche, on n'a pas de pick-up d'ailleurs, je viens de penser. Si, on les a. Si, on les a. Si, on a la Robert. Ah, mais c'est ça, elle est Robert, c'est pour ça. Hop. Nickel. Mais c'est vrai qu'on a que la Robert, on n'a pas les fourches avec... Bah, genre, tu peux prendre une botte, la Robert, c'est trois bottes ou rien. Ouais. C'est ça qui est dommage. Mais un télescope arrivera d'ici peu, vous inquiétez pas. un jour peut-être. Ouais, du coup, occupe-toi des vaches dès que tu pourras. Parce que bah là, les pauvres. Aïe. Il n'y a plus trop à manger. Attendez, parce que là, ça va pas le faire là. Voilà. Non. Voilà. Ok. Bon, j'arrive. Souvent, il faut qu'une botte pour les vaches en général. C'est qu'une botte, à mon avis. Enfin, pour les vaches, pour les chevaux, je veux dire. Pour le peu qu'il y a. Une botte, ça doit suffire. Attends, je vais prendre celle-là, je vais la jeter. Bah, nickel. Je vais la jeter. J'arrive. Non. Attends, je vais désactiver parce que ça va me prendre des bottes qui sont sur le côté. Donc, voilà. Attends, on a tout ça d'enrubané à vendre aussi. Attends, mais mec, on a beaucoup trop d'enrubané. Oh, non, pardon. Je suis là. Excuse-moi. Désolé. Je suis là. attends, du coup, mes petits chevaux. Enfin, mon petit cheval, là. Hop. Allez, mange. Tac, c'est bon ou pas? Ça à côté. Attends, la botte, t'as fait combien? C'est pas écrit? Non, c'est bon, je pense. Chevaux. Ouais, nickel. Il y a tout. Ah non, il faudrait aussi du foin. Attends, bah je donnais une botte de foin alors. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas comme les vaches. Les vaches, c'est soit genre ration mélangée, soit foin herbe, soit. Non, foin en silage, soit herbe. Mais du coup, c'est genre soit 100% de production, soit 50. Là, si tu mets un seul, t'es toujours pas à 100% de production. Donc, il me faut un peu de foin. Je vais récupérer une botte. Et les animaux, les pauvres vaches. Les vaches, elles là, produisent encore, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je leur mets de l'eau là aux vaches et puis. Ouais. Je vois. Okay. Hop. Attendez, Y, non, Y, B. Ça devrait être bon. Voilà. En vrai, du coup, vite dans l'autre. Ok. Je parle pas à moi, mais je dis quand même ok. Nickel. Allez, on arrive. On va essayer de donner à manger. Ben, on le fera courir en live, hein, je pense, hein, ce qu'on fera. Par contre, c'est où qu'on donne? C'est au fond, je crois. Je crois que c'est au fond. Tac. Ouais, c'est au fond, oui. Merde. Non. Non, mais je fais que la reprendre. Voilà. Là, on va la pousser là-bas. Et là, logiquement, il y a tout. Les chevaux sont. Bah, non, il n'y a pas de foin, attendez. Ah, c'est bon. Ah, mais du coup, ça m'a pris toute la balle complète. Bah, ok, 4000, nickel. Et pourquoi il reste encore la balle de paille? Parce qu'elle était plus. Il faut moins de paille, je pense. Enfin, je sais pas. Bah, non, 4000. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, du coup, c'est bon. En vrai, je suis content de là où c'est que j'ai mis le truc. Ça, il est bien placé, je trouve. Donc, c'est bien. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une ration mélangée aux vaches. Ouais. Et la rubanée, on pourrait le vendre, non? Peut-être, si le prix est élevé. Parce que là, on l'a stocké à côté, mais si le prix est bon, autant le vendre.
Ah non, ah non, le prix est pas bon, pas du tout même. Non, il est très mauvais. Non, très mauvais, ouais. Bon, attends, du coup, le fence, il va, je l'accroche à la mélangeuse, comme ça, ça nous fera un truc à faire ensemble. Donc le silo, va falloir le découvrir aussi. Bon, j'ai de la paille dans la mélangeuse, là, j'ai que de la paille. Bon, je vais donner ça déjà. Et il faudra qu'on y ressemer tous nos champs. Bon, attends, mais je vais peut-être aller ressemer mes champs avec le massé. Il est où le massé? C'est moi qui l'ai sur la tonne. Ah, parce que du coup, dès qu'on a plus besoin, il faudra je l'accroche au semoir et go. Attends, dès que c'est fini, tu me diras, comme ça j'irai l'amener dans le champ pour commencer à semer. Allez, paille. Go pailler les vaches. Alors le problème, c'est que mec, le lisier, logiquement, il est censé apparaître. Le lisier était dans la cuve à côté, dans le trou. Oui. Mais il apparaît pas. Dommage. Parce que ça aurait fait stylé. Hop. Allez. On en a beaucoup, quoi. Je crois qu'on en a pas mal, ouais. On a 54 000 de lisier. Du fumier, on a plus que 10 000. Mais bon, après, le problème, c'est que là, les vaches produisent rien. Donc dès qu'elles produiront à 100%, ça sera bon. Après, on n'a pas beaucoup de vaches non plus, donc c'est normal. Mais bon, on a déjà ça. Et les poules, par contre, ont rien à bouffer. Ah non, je suis déjà à 100% des vaches. Ah mince. Il me reste 10 000 de paille, j'en fais quoi de ma paille, moi, là? Je vais pas la vider par terre. Ah non, j'en fais quoi de ma paille, mec? J'ai trop de paille. Ta poule. Sinon, faut la vider par terre. Ouais, limite, ouais. Il faut la represser. Yes. Trop content. Attends, on va faire ça, alors. On va faire ça. En tout cas, je voulais vous remercier, parce que, bah voilà, encore une fois, mais vraiment merci pour tout, parce que... À chaque fois, je me demande, mais c'est une vidéo que je fais vraiment comme ça, on prépare rien et ça vous plaît. Et ben, d'un côté, ça tient ma chaîne secondaire un peu en vie parce que, bon, après, je fais quand même des vidéos, des lives, c'est pas comme avant. Avant, mec, je faisais pendant un mois et demi, il y avait rien sur la chaîne, je faisais un live de 10 minutes et j'arrêtais. Ah merde, non, il y a du foin encore dans le champ. Il y a de l'herbe, hop. Allez, vite, vite, oh non. Tac, tac, tac. 4000, attends. Faut qu'il reste plus que 4000 dans le truc. Allez, c'est bon. 3007, nickel. Allez, du coup, il faut deux foin et le reste en ensilage. Ça fera une bonne ration mélangée et je pense qu'on s'arrêtera là. On aura fait une bonne petite vidéo. Alors, donc une de paille et. Bah, ce que je mets, vous en êtes où? Fini dans 5 minutes. Voilà, il faudrait que tant que. Je crois qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de rien faire. Ils sont en train de se dire, bon, il n'y a rien à faire. Nickel. Mais nous, il y a du travail, on travaille, on travaille. Hop. C'est vrai qu'elle mélange, il faudra peut-être qu'on la change un jour ou l'autre, hein, effectivement. Parce qu'elle est un peu petite. Elle est un peu petite, ouais. Bah, après, on a pas beaucoup d'animaux non plus, mais c'est vrai qu'elle est pas grande. Allez, go aussi au ensilage. Bah, amène-moi le fan si jamais y a plus rien à faire. Ouais. Ça sera bon et on va s'arrêter là. Le semoir, on le remettra en route. Bah, logiquement, en live, il y aura tout qui sera ressemé, du moins, je pense. Donc, il y aura. Et on achètera, je pense, bah, le nouveau champ. Hein. Donc, vous me direz. Et donc, pour ce qui est de la barre de coupe, ouais. Question. Ouais, non, acheter le nouveau champ, je pense, le 59, il va être pas mal. Hein. Attends, viens à l'ensilage. Ah, oui, oui. Je pensais que c'était le foin. Le 59, ouais. Ah, je l'ai pas mis. Ah non, non, il y a que de la paille là. Attends, reviens alors, je t'amène, je le mets à la main. Je le mets à la main. Ils sont en train de regarder le tas de foin. Ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, du coup, deux de foin. Vas-y, attention. T'es là? Je vois pas. J'arrive. Enfin, logiquement, si je lance, ça devrait être bon. Oui, une et la deuxième. Voilà, vas-y, viens, go aussi en ensilage. J'arrive. Et on serait bon. Ouais, du coup, vous me direz pour le champ. Hein. Et donc, pour le scan à la moissonneuse, j'ai essayé hors vidéo d'acheter la barre de coupe, mais ça ne fonctionne toujours pas. Enfin, hors serveur, mais ça fonctionne toujours pas. Donc, c'est la barre de coupe qui est buggée. Donc, ce qu'on fait, c'est que j'ai ma barre de coupe de la Rostel Match qui est louée pour le moment. Donc, si jamais il y en a des trucs en mode qui sont bien, bah, je n'achèterai des biens. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a que celle de la Rostel Match. Donc, voilà. Allez. Ouf. Par contre, c'est vrai qu'il y a de l'ensilage qui. Allez, prends. Voilà. C'est vrai qu'on a un petit godet. Hein. T'es où là? Ouais, je te vois arriver. Bah t'en restes là au pire. Là, il va par terre quand même. Mais tu me dis dès que tu seras bon, vas-y. Vas-y encore. Il me regarde, si je fais pas de conneries. Il t'observe. Il m'observe. Bah, du coup n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de GFIT, hein, parce qu'il a passé les 50 000 abonnés. Hein. Donc voilà, GG à lui en vrai. Donc c'est. Oula! What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah écoute, il y a eu un petit problème, mais il manque une masse. Ah ouais, il manque une petite masse, ouais, j'avoue. C'est dans ta vidéo ça? Oui. Ah bah nickel. Oui, on est en train de vous regarder, parce que nous on a fini plus ou moins, donc du coup on vient bon vers vous pour finir la vidéo. Il y a trop de. Oh là là. Je pense qu'il va y avoir un trou dans le silo. Il est en train de faire un creux. Il pourra faire du motocross après. Hop. Hop là. Oh là 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 là. Mais il manque une masse. Mais bon, t'inquiète pas. Ah là là. Du coup, vous avez fait quoi de beau? Vous avez pas fini en silage? Non, on n'a pas fini, on finira ça du coup, peut-être avec 7 de notre côté en live. Et okay. On s'occupait des vaches aussi, un peu comme si vous. Fourrage, tu m'as mis trop de paille dedans.
Ah non, il y a du fourrage. Bon, c'est pas grave, vide le camp aux animaux. Mais c'est bon, un jour j'arriverai peut-être à faire une bonne ration, hein, t'inquiète. Un jour peut-être, un jour. Voilà. Peut-être. Un jour. Hop, oula. C'est bon, ça pèse, hein. Bon, bah voilà, du coup, on s'est arrêté là, je pense. Ouais, c'est pas trop mal. On va laisser Borne à manger aux animaux. Ah, bah du coup, regarde, j'ai acheté mes chevaux. Ah, parce vas-y. Ah, attends, t'es où? Ici, là, derrière, à côté, à mon ah, pré. Ah, oui. Bon, il y a des vaches dedans parce que c'est dans. Mais c'est pas grave, donc voilà. Ah, ouais, nickel. Mais faut pas mentionner. Ah, ce petit enclos, tu l'aimes bien, hein, celui-là. Ah, il est bien. Mais en même temps, c'est le seul qui est plutôt sympa, quoi. Donc, c'est le seul qui est bien. Ah, mais franchement, il est bien. Ouais, donc voilà. Attends, je vais voir si c'est bon. Bah, du coup, du forage, hein, c'est pas grave. Ici que j'ai vidé. C'est pas grave, on fera ça plus tard. Voilà, bah écoutez, je vais dire au revoir. Ouais. Changer. Oui, le mot de la fin, c'est pour toi. Et mon cheval, il est où par contre? Zéro, il a piqué mon cheval. Bon, il est merci du coup d'avoir suivi. Il est là. Cheval? Regarde, je le monte. Ah, oui, il est où là? Il vient d'apparaître. Ok, c'est bon. Bon, du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, d'aller voir la vidéo de G-Fit ou bah, du coup, bah voilà, tout simplement. Merci, ça fera super plaisir. Encore une fois, GG pour tes 50 000 abonnés. Hein, parce que, et bah vraiment, écoute, bah, merci à vous tous et surtout merci à toi aussi, bien sûr. Et bah oui, donc ça voilà. Fait plaisir. Mettez un petit pouce bleu, les amis. On se retrouvera du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo et sinon mercredi pour le live sur les Alas français. Allez, salut tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao.